modifier quelques éléments affichés sur la variable. Nous avons mis en avant le mode, ici, France 2 avec 111 répondants. On aurait également pu faire en sorte que ce nombre de réponses apparaisse ici. On pourrait indiquer dans la légende que le mode, c'est France 2. Alors, pour faire ce genre de choses, dès que l'on veut faire des modifications en fait, sur l'objet que l'on a été chercher, donc la variable que l'on a été chercher, on va faire un double-clic sur la variable. Ça va ouvrir un menu, enfin une boîte de dialogue avec plein d'onglets qui vont nous permettre de personnaliser l'affichage presque à volonté. Alors, ce que l'on veut faire dans un premier temps, c'est faire apparaître le mode dans la légende. Donc, si je vais sur valeur, on a des cases à cocher qui nous permettent de faire apparaître certaines variables, certaines valeurs. Et là, donc, si j'active la case à cocher mode, je vais juste faire OK. Donc, je répète, hein, onglet valeur, mode. OK. Nous avons ici France 2, 111 observations, qui fait ressortir la valeur la plus élevée. Donc, ça peut être utile pour commenter votre tableau. Nous avons aussi la possibilité de changer certaines choses. Par exemple, ce que je souhaiterais faire, c'est mettre le pourcentage ici juste à droite des chaînes et à droite des graphiques, mettre le nombre de répondants. Alors, les observations. Donc, pour faire cela, je vais là aussi double-cliquer sur l'objet. La mise à jour va porter sur le tableau. Donc, je vais dans Tableau. Et là, je vais demander à afficher le pourcentage. Je vais laisser effectif afficher. Donc, le pourcentage peut se faire sur les observations. On va le laisser comme ça. OK. Et du coup, j'ai 23,6% qui apparaît. Par contre, j'ai toujours les effectifs. Donc, c'est peut-être pas la peine d'avoir les effectifs ici. Je vais donc double-cliquer, retourner à nouveau dans l'onglet Tableau et décocher Effectif. OK. Et donc maintenant, les pourcentages sont présents ici. De la même manière, pour faire apparaître ici les effectifs, je vais double-cliquer sur mon tableau, agir sur le graphique cette fois-ci, puisqu'en fait on a une partie tableau, une partie graphique. Je vais dans l'onglet graphique, et dans l'onglet graphique, construction, je peux à la place des pourcentages afficher les effectifs. OK. Et donc j'ai bien interverti les pourcentages et les effectifs ici.